I bless the Lord. Mon Dieu, mon sauveur. I serve you. Voici ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu. Que Dieu est puissant, il est merveilleux. Ma femme était en grossesse, elle était en grossesse. Depuis 11 mois, elle n'accouchait pas. Ce pasteur m'a tiré à l'hôpital jusqu'ici à Divo. Elle m'a aidé à suivre l'opération. And she was about to be appointed. Je passais par la clinique, mais elle était partout. Everywhere. Donc elle était programmée le lundi à une opération. On Monday. Pour assurer les prières, les gouttes de prière. Vraiment. Prayers, groups. Tout ça n'allait pas. It didn't. La nuit, elle souffrait. Elle she was suffering. She didn't sleep. Elle rentrait seulement, voilà, elle ne pouvait pas marcher. She couldn't walk. Donc je ne voulais pas. J'avais mes idées reposées sur ce Dieu. Allez, the prophets. Donc elle aussi, elle était abattue. Heureusement, je l'encourage. Je dis bon, aujourd'hui, sur ce dimanche, on va se rendre. Je m'en prie, faites Casso pour une délivrance totale. Elle était abattue. Elle pourrait toujours être ma. Elle ne voulait pas y venir. Elle dit allons-y. Elle ne peut pas marcher, en fait. J'ai plus de taxi. Allez, jusqu'à ton site. Nous sommes arrivés ici. And we arrived here. Nous sommes arrivés ici. Puisque il y avait le musicien qui chantait et qui dansait, elle a bougé un peu et venait s'arrêter auprès de la porte. Et par là, elle a senti que lui, l'enfant, se remuait dans son ventre. Donc elle est partie s'asseoir. She went to sit down. Elle tremblait. Trembling. Bon, prends courage. Jusqu'à quand l'homme de Dieu a prié, l'enfant bougeait toujours. The baby was moving. Voilà. Vraiment, elle s'est sentie un peu moins à l'aise. She felt really. Mais voilà aussi bon. Puisque quand la prière a fini, j'ai demandé au pasteur Serge de prier pour elle. To pray for her. Puisque vraiment, elle devait suivre l'opération le lundi. Because she was about to be operated. Alors, Serge m'a rassuré. The pastor, bon, d'abord j'ai vu la secrétaire. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, lorsqu'on a prié, quand l'homme de Dieu a prié, elle a senti que l'enfant bougeait. Like et il était l'heure de que son accouchement. Et quand nous sommes partis à l'hôpital le lundi, le lendemain opération, elle a accouché normalement, c'est ça? Oui, operated, ah, c'est birth. Ça. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que ce lieu est plus purifié que la puissance de Dieu qui existe. Ok, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Elle a accouché sans opération. Vous savez, c'est une programmation. Quand c'est comme ça, c'est une programmation de la sorcellerie. Amen. Voilà, c'est une programmation. Il a eu le discernement, il a compris. C'est pour ça qu'il faut comprendre des choses. Dieu est au-dessus de la médecine. C'est vrai que nous croyons à la science, nous savons qu'il peut faire une césarienne, mais à un moment, il y a des choses qui sont mystiques. Ils sont vraiment des pièges mystiques. C'est un piège mystique que le monsieur a compris, il a dévié ça. Parce que d'abord, il a confié ça au Seigneur. C'est pour ça que dans la dépendance, on ne peut pas régler beaucoup de choses. Quand quelque chose se présente à vous, gardez le sang-froid. Et puis présentez ça au Seigneur. Si vous présentez au Seigneur, vous allez voir, il va vous donner une inspiration. Et suivez l'inspiration de Dieu. Amen. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si Dieu t'a dit, va au bon homme de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Va à l'église, fais. Donc il y a eu des étapes. Ils ont prié. Et le Seigneur a opéré le miracle. Lundi, elle allait, elle n'a pas subi l'opération. Elle a couché normalement. Or, l'opération était une programmation mystique. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dieu est quelqu'un, Dieu est merveilleux. Dieu est quelqu'un, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen.